maman de lui annoncer. Ma chérie, ta mère et moi avons décidé que grâce à tes bonnes notes dans ton bulletin, on t'envoyait dans un camp en fin fond des bois. N'est-ce pas une bonne idée, mon trésor? Quoi? Moi, en camping, mais vous n'êtes pas sérieux. Je n'irai jamais là, est-ce que c'est clair? Méchante récompense pour des bonnes notes. Mon chéri, ton père et moi avons réfléchi et nous pensons que... Que ce serait très agréable pour toi de partir en camping avec des jeunes de ton âge. En plus, ça nous ferait de longues vacances à nous. Et tu pourrais te faire de nouveaux camarades. Alors, qu'en penses-tu, fiston? Ce serait une bonne idée? Oh non! Je sais même pas monter une tente! Qu'est-ce que je vais devenir? Oh bon, ok. Mais oui, un camp pour mes efforts scolaires, c'est fun. Ils ont du perdu la reine. Rentrez. Bon, Vanessa, on va regarder ce qui est tenu dans ta valise. Ma chérie, il n'y a pas de prise électrique en camping, je sais. Je suis désolée. Le. Mais pas de baladeur, ils l'ont écrit sur la feuille quand on t'a inscrit. C'est pas grave, ça. Un bikini en camp de vacances. C'est quoi, toutes mes amies en ont un? Oui, oui, mais tes amis, c'est tes amis. Moi, je suis ta mère, toi, fait. Tu m'écoutes. Tu veux pas amener mon beau maillot de bain de pièce que je t'ai donné à ta fête? Je veux pas faire dur. De l'argent. De l'argent dans un camp de vacances. Ah ouais? Je peux me ramener un souvenir. Y'en a pas de boutique souvenir. Je suis désolée de t'apprendre ça. Pas de maquillage non plus. Parce qu'on va dans un camping, c'est dans la forêt, dans le bois. Tu peux pas écouter la télé, tu peux pas te sécher les cheveux. Ça va être le fun, hein, si tu mets dans un camp. Dire que je vais aller dans un camp, c'est plate. Quoi? Tu viendras pas au nouveau parc pour faire de la planche à roulettes? Mais non, faut toujours écouter les parents. Bon. La suite. Okay. Mélissa? Oui, ici. Nicolas? Ouais. Vanessa? Ici. Georges? Oui. Simon? Présent. Alice? Ici. Alexandre? OK. Marc-André? Oui. Jessica? Bonjour. Laurence? Yeah, OK. Audrey? Salut. Fanny? Ici. William? William? Est-ce qu'il y a un William ici? Oui. Allô? Maintenant, on va vous donner deux par deux des temps. OK. Je crois qu'on devra prendre les instructions. Oups. Es-tu capable de lire l'anglais? Non. Mais on n'arrivera jamais à la montée. Voyons, vous avez l'air bien découragé. Je n'ai pas capable de lire ça, c'est en anglais. Je vous ai amené, les amis. Ah, ben moi, je suis blême, ça tombe bien. On commence-tu? Ouais. Ok, je vous laisse, moi. On prend les bâtons. Ok. On vous attend. Ouais. En
était temps qu'on réussisse à monter la tente. Merci infiniment pour votre aide. Oh, je hais la pêche. Pourtant, c'est pas sûrement. Pensez bien à faire, ça marche jamais. Je suis tannée. Est-ce que la pêche a été bonne? Ouais. Mais au moins, on n'a pas trop soufflé. Ok. Oh, l'eau était froide. Mais non, elle était bonne. C'était super amusant. Ok, j'avoue, on s'est bien amusés. J'espère qu'on va pouvoir revenir demain. Ok, troupe, on s'en va au camping. Avez-vous fait la gagne? Oh oui, moi j'ai toujours fait après la gagnante. Oh oui, moi j'ai vraiment une fin de loup. Toutes ces activités m'ont creusé la fessée. Moi, j'ai hâte de goûter aux poissons qu'on a pêchés. Voilà, on va demander pour ce soir. Parlez-vous vos guimauves. Avant de manger des guimauves, faut bien souper, hein? Oh, je n'ai pas le goût de partir. J'aimerais ça rester une autre semaine. Ben, vous vous souvenez quand notre camion a chaviré? Ouais, même que c'est moi qui l'ai fait chavirer. Mes parents avaient raison. C'est quand même une bonne récompense, une semaine de camping. Je suis fière de moi, de mon premier cours en survie en forêt. Au moins, je me suis bien débrouillée. Oui, mais quand même, on a dit là-bas que tu t'es perdu pour aller au lac. Attention, attention! L'autobus en provenance du camp Beau Soleil est arrivé. Le débarquement se fera à la porte numéro 2. Merci! Mon enfant, pourquoi es-tu parti si longtemps? Pourquoi tu nous as abandonnés? Tu es trop jeune pour partir si longtemps. Mais maman, c'est toi qui m'as obligé de partir en camping. Mais finalement, je me suis fait plein de nouveaux amis, regarde. Bye, Nick! On s'en fait un peu. Bye! Bye, Nick! Vanessa, ton père et moi n'aurions pas dû décider pour toi. On pensait que ça te ferait plaisir d'aller dans un camp et tu te ferais plein de nouveaux amis. Oui, au contraire, j'ai adoré. Je me suis fait plein de nouveaux amis. J'aurais voulu rester une autre semaine. Je suis ravie d'avoir fait vos connaissances. Au revoir. Attends, Nicolas, j'ai quelque chose à te dire. Ah oui, c'est une bonne idée. Ça serait très agréable pour toi de partir en camping avec des jeunes de ton âge. Oui, ça me tout ferait de longues vacances et en plus, tu te prends de nouveaux camarades. Alors, qu'en penses-tu, fiston? Aussi que moi et ta mère, que ta mère et moi. Ah, oh, mes parents avaient raison. C'est une bonne récompense, une semaine de camping sauvage. Moi, je suis fière. J'ai fait mon premier cours de forêt en survie. Au moins, j'ai réussi. Alors,
Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Léo. Ça, c'est Alexandre et Véronique. Pour commencer, on va prendre les présences, puis après ça, Alexandre va vous dire quoi faire. Bon! On pensait que t'allais te faire du plaisir dans ce camp et...